Lancer la VOD, ouais. Lancer le jeu. Putain, je quitte la page. Lancer le jeu. Une petite semaine d'absence pour se rendre compte qu'il y avait Depth Rider sur le casque. Ah, j'avais pas une bonne tenue en fait. Putain, ça c'est du cuir. Alors oui, vous vous rappelez qu'on était sur la laine. Gris. On n'avait pas fait la grille, donc on était sur la laine bleue. Donc celle-ci. Non. Donc on était sur la grise. Ah non, j'avais pas fait les araignées. Oula. On va se téléporter à celle qu'on connaît, qui est celle-là. Et c'était là-bas. Ok, on va aller là-bas. Alors, je sais où est la laine. Il y avait des quêtes, j'ai pas compris. Ça m'aide. Je sais pas si vous vous rappelez. Donc oui, celle-là. Donc nous, ce qu'on va juste, c'est aller la récupérer. Et continuer. On finira par la grise. C'est un choix de finir par la grise. Et rapidement là. Alors maintenant que j'ai la touche pour aller en spectateur sans passer par machin, on va faire comme ça. C'est pas du tout ici. Merde, c'est là-bas. Voilà. Ici c'est une suite. C'est pour une des quêtes. Sauf que nous, on avait bien compris que cette zone était relou. Hein, vous vous rappelez de cette zone? Mais oui, ça fait une petite semaine. Eh, vous avez vu la diff? Je suis allé chez le coiffeur. Voilà. On avait vu que cette zone était relou. You usually manage to softlock. Si on est bloqué sur une quête, on peut prendre la wall. Et là, Whitson nous explique les quêtes et tout. Malheureusement. Ouais, mais j'aime bien celle-là, tiens. Ah, ça m'énerve que ça fait ça. On va se débarrasser de ça. On va repartir au spectateur. Et voilà! Bonjour YouTube, on est parti pour jouer. Ça fait une petite semaine. Eh, je suis allé chez le coiffeur. Voilà. Ça fait une petite semaine. On n'avait pas trouvé le TP. On était énervé, tout le blabla. Nous avons du coup validé une nouvelle LED ensemble. Je suis pas du tout en colère parce que j'ai rien compris aux quêtes une fois sur deux. Et du coup, c'est la laine de couleur cyan. Et il nous reste la violette. C'est parti pour la violette. Voilà. Alors, la violette. Allons voir où est-ce qu'elle est. Donc, on se TP à la rose, ça me va. Et la violette. Parmi le secteur machin, parce qu'on avait fait la laine des temples chelous. Ok, la violette c'est par là. Voilà, bon, j'ai trouvé. J'espère que ça va. Ouais, on a loupé, quoi. On a pas streamé une petite semaine. On s'est détendu, on s'est posé, on avait des huevos gâtives, comme j'adore dire. Mais on est parti pour jouer là, ça fait extrêmement plaisir d'être avec vous ce soir. Bye, Cavard et Chris. C'est vrai que c'est du CTCM, donc c'est plein de gens qui participent à la map. Et on commence déjà avec un spawner. Et des mobs chelous. Ok. Et ça donne envie. J'aime bien quand ça donne envie. J'aime bien quand il y a du renouveau. J'aime bien tourner à 30 FPS. J'aime bien, non mais j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien, on aurait peut-être dû s'enregistrer un lit ou une connerie par là, quoi. Bon, bah c'est pas grave, oh, vous inquiétez pas, hop. Tiens, un beaker, ça nous apprendra. Non mais on a tout ce qu'il faut, on avait notre arc qui était plutôt bien, mais on avait une très belle épée avec le Sharpness 5 Mending. Ce qui faisait en sorte que, bah, elle tapait bien quand même. Tiens, il a pété le haut, quoi. Trop fort le gars en fait. Ah c'était un creeper chargé. Bon, on continue. Voilà. Putain, ils vont être si loin péter les spawners. Je reviens de Rushcraft avec des pioches et Felicency 40 000. Je vais un tout petit peu vous baisser. F1. Ça commence déjà. Ça met l'ambiance. Hein. Ok. Allez, c'est parti. Oui.
Ah, je peux pas le baisser plus si. Poussons, hop. Ok. Bonne ambiance. Ok, c'est parfait. Et on peut continuer. Donc, laine violette, j'espère plus facile. Putain, trois coups pour les tuer, ces squelettes. C'est creeper. Elle est quoi? Elle est efficiency 3 et elle prend 1000 ans. Ok, qu'est-ce que tu me proposes? On va garder quand même de côté. Je sais pas, ça peut peut-être servir. C'est vrai qu'on a la régène facile aussi, j'avais oublié. Mais je reviens d'un point 8, point 8, là il y a même pas 10 minutes. Plus de maison. Coup dur pour la maison. La susdite maison, c'est bien de la lave, c'est bien ce que je pensais. C'est un blaze sur un blaze? Peut-être pas la ref, moi. Petite esquive. Non, mais il m'a vraiment foutu en feu. J'ai le low fire, je suis content. Salut toi. Au revoir toi. Ah mais Reichcraft, c'est tellement des bonnes maps. Mais j'aime bien les Mavericks, j'ai beaucoup aimé la première. Mais quand je regarde les Minecraft avec tant d'originalité de trucs. C'est vrai qu'il était puissant mon arc. C'est vrai que j'ai cet arc feu d'artifice. Ah, une semaine d'absence et on oublie la moitié des trucs qu'on a, putain. Vite, on rush, vite. Ok. Crossbow avec quick charge 2. Ah, il y avait les enchants spéciaux. Quick charge 2, ça charge vraiment vite. Non. No way. Oh, le repeating 5, ça te donne vraiment. Putain, j'ai mining fatigue. Ah mais par contre ça te donne Mighty Fighting quand tu as tiré tes 7 flèches pendant 10 secondes. C'est pas gênant. Vraiment ça peut nous servir. Voilà. Et là on chope Mighty Fighting, c'est ça? Non, j'ai pas compris quand est-ce qu'on le chopait. On charge l'arc. On l'a loqué. Salut. 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 Fouh. Fouh, elle a mangé chaud la ghast. Le ghast. Putain. Moi aussi, je vais manger chaud. Non, mais je suis content de revenir sur ce. Oh merde, faut que je setup mon... Attendez. Je savais pas que j'avais passé à travers. Putain. Vous savez quoi, on va setup le lit autre part. Histoire de dire qu'on l'a mis autre part. Non mais sinon, j'ai pas envie de respawn en boucle, quoi. Oui, bon, j'ai loupé les quêtes. C'est assez beau quand on voit tout ça. Et tout est torché, surtout. Bonjour. Vous savez quoi, on va setup le lit dans cette maison. Hop, hop, provisoirement. Respawn point set ici. Et on va pouvoir remonter. Voilà. Et ouais, il y a un spawner à gaz là-haut. Bonjour. Ok, je suis pas mort. C'est vrai que j'avais mis le game rule inventory. J'ai rien dépensé. Et que j'avais dit que je devais le retirer et que finalement je l'ai pas fait. Coup dur. Coup dur pour le susdit game rule. Ah, on l'enlèvera. Peut-être pas, mais on l'enlèvera. Putain. Non, ça se double shot. J'étais en mode c'est quoi cette connerie?
Ok, on va se débarrasser de lui. Ah, il y a un spawner là-haut. Et bah, efficiency 4, c'est quoi ça? Efficiency 1, voilà, c'est parfait. Ok, c'est parfait. Bah, efficiency 4, je prends. Voilà, là, ça se pète. Réflecte. Ok. Il y a des enchantes. Bon, j'ai arrêté de les lire. J'ai tellement mal au dos. Ah. Bonjour. J'aime pas quand c'est des spawners araignées. J'aime pas, j'aime pas. Donnez-moi ma baleine violette. On explore, on explore. C'est pas chiant de faire des trucs comme ça. Oh. Ok. On charge. Ok. Mais jure. Putain, c'est trop stylé. J'ai même vu les arcs qui jetaient des potions une fois, donc bon. Je les pourrais pas. Non, 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 non. Putain. C'est bon? Oh là, la flèche pour deux. Non, non. C'est vrai que le bois ça brûle, j'avais oublié. Oui merde, on remonte par là, fallait descendre. Ok, c'est par ici. Allez, revis là. C'est pour ça qu'on s'était give un stack de carottes dorées, je m'en rappelle. Ok. Qu'est-ce que t'as à me proposer? Tiens, tiens, ça je vais prendre. Pourquoi pas le spectral arrow et surtout des blocs. Tiens, on va pouvoir jeter nos blocs ici. Hop, c'est parfait. Beaucoup de blaze rod, merci. Et on va tasser. J'en ai pas pris une, je suis trop fort. Manque d'ambiance, ok. C'est parfait. Respawn violet. Ok. Le violet avant le bleu foncé, oui, peut-être. J'ai mal calculé. On va se mettre tout le monde. J'aimerais bien jouer comme ça en fait. Ah bah si. Bonjour. Ou comme ça. On va se remettre bien. J'ai vu le creeper. Il y a encore le creeper. Au moins, c'est pas comme dans Rushcraft avec la moitié qui sont des spawners cachés. Et ça fait plaisir. Pour continuer le comparo. Ok. Strength pendant 8 minutes à boire. Ast 5, oui, pourquoi pas. Instant heals 2 à mettre dans la barre d'inventaire, moi ça me va. Et Strength pourra servir. Vous commencez à être beaucoup, ça m'énerve. Je m'en vais. On évite les blazes. Bon, voilà. C'est plus ou moins évité. Le petit demi-cœur qui reste. Eh bé, quel est... Oh là là. Alors. Déjà non. Mais c'est joli. Putain. Ça reste joli. Ça me va. Vite. Oh. Ok, bonne ambiance. J'ai jeté mon Anthos par terre comme. C'est ça, c'est pour ça qu'on avait dit qu'il fallait pas prendre des Aston Hills. Tiens, on va prendre ça.
Ouais, peut-être. Je sais pas si ça change double shot. Prendre du temps à tirer leurs flèches, machin. Mais putain, faut que je mange combien de steaks hachés là? Où est-ce qu'il est? Je le vois pas. Il était juste là. Ok. Ok, on peut l'avoir. On pète. Non mais il commence à m'énerver là, je suis en deux cœurs constants, je suis pas bien. Fous-toi de ma gueule. Fous-toi de ma gueule le truc. Flamme Nova. Oui, je dis oui moi. Ok. On commence à avoir du diamant. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, c'est-à-dire qu'on commence à rentrer dans le haut level du panier. Et ça me va. La flamme bleue des machins. Supposé que c'est pas par là. Il me reste un demi-cœur. J'ai toujours ma potion de variété, là, qui me donne 7 minutes de tout. Water pressing, instant heals, haste. Du speed, du damage, voilà. J'ai toujours ça. Qui me servira. Je sens qu'elle me servira un jour. C'est chiant. Je vais peut-être mourir. J'avais prévenu. Théoriquement, maintenant qu'on a le TP, on pourrait s'enregistrer au TP. On va rapidement y aller. C'est pas que c'est pas loin, je veux dire. Oui, je suis. Voilà. C'est parfait. Putain. Je dis ça. Ok. On va enregistrer ce holy qui est là. Hop là. Bonjour. C'est chiant de manger des patates toutes les 2 minutes. Ouais, peut-être que le cookette de menton, ça donne plus. Même si j'y crois pas trop. Hop, j'ai 10 diamants du coup. Ok. On va poser ça là. On va reprendre des torches. Voilà. Oh, j'ai dupliqué les torches, non. Alors on va mettre ça là comme ça en ressource de fuite. Et c'est good, on peut poser cette épée de mort. Jusqu'à qu'on trouve une meilleure épée ou qu'on se fasse une meilleure épée. Et on retourne à la violette. Ouais, je pense que ça donne plus quand même le cookie de mouton. S'il y a un gaz qui spawn, je suis au taquet. C'est parfait. Oh, le petit coffre là-bas. Allez, on est reparti. Bonjour. Mais vraiment là, toujours plus, hein. Efficiency 2, Sapper 4, c'est bien ça. Et là, ça donne en récompense. Mais j'ai enlevé ton spawner de mort, toi. Comment t'as pu spawner? Il y a un truc ici. Ok. Montons en haut de cette petite tour.
Et pète le spawner. Non, mais c'est creeper qui marche pas. J'avais envie de désactiver leur explosion des fois. Ok. Ok. Pour pouvoir dégager les spawners. Rip à qui? Le dernier pharaon. Ok, bon, on va voir ce qu'il propose, monsieur. C'est vraiment pas ouf, hein. Mais merci. Ah non, je pensais vraiment qu'il ait proposé mieux, quand même. Il est où? Mais vous mourrez, hein? Oui, non, mais je préfère. Bon, la tour magique, c'est fait. On va pouvoir continuer par là. Non mais... Non mais vraiment... Non mais vraiment... Casse-toi, là! Oui! Je sais pas ce qui m'a tué, mais du coup, je dis oui. Putain... Mais il faudrait que je dégage. J'ai envie d'aller là-bas. Ah. Ok. Ward. T'avais combiné avec celle-là. Il y a peut-être moyen d'y faire quelque chose. Je perds pas le magni. Le temps de swooping edge sharpness knockback to your respect. Ouais, non, ça mettrait un truc de plus, c'est tout. Conduite power. Du jus d'orange et des kilojoules. Je vais quand même continuer de les garder, les kilojoules. Je sais pas à quoi ça me servira. Ça a l'air de bien se poursuivre en bas. Je sais pas ce que c'est en bas là. T'es vraiment devant moi, quoi. Hey, au speed. Ah, ils avaient 10 spawns du coup. Bon, bah continuons par là. Une shulker. Oui. Fire protection, des bouteilles d'enchant. Ça, c'est bien, on va pouvoir ranger des trucs sur le chemin. Et on va pouvoir garder la shulker de côté. Ça, j'aime bien. J'ai reçu une... Je suis désolé, j'ai reçu un truc. Ça, il écrit. Il y a le fils de paille qui part au bar, ça. Oui, bah c'est bon, on essaie de répondre. Non, non, c'est bon. Non, c'est bon. On peut plus rien dire. Par contre, ça coûte cher en flèche, du coup, hein. Ou ça t'en prend qu'une, ça, je sais pas. Oh, le feu d'artifice derrière. Casser l'ambiance, ou... Où est-ce qu'il est? Ok, parfait. Alors, les creepers chargés au corps à corps. Ok, c'est parfait. Les creepers chargés au corps à corps, on avait dit... Il fallait éviter. Putain, il y a. Putain, c'est du creeper chargé en plus, hein. Comme si on passait un bon moment avec ça. Donc ici, ça me va. Le roi liche. C'est pas n'importe qui, hein, le machin là.
J'ai peut-être une idée pour le tuer. Putain, ça compte se retaper tout le trajet en boucle. Et... C'est bon, moi je m'installe. Ah. Pas m'installer longtemps. C'est juste ça, là. Mais du coup, c'est quoi la plus bas? Ah! Ah, c'était ici. Je savais même pas qu'il y avait un ponton. Ah oui, non, je suis con. C'est le croisement jaune-orange, là. Avec les mines de l'infini en bedrock qu'on n'avait pas compris, mais que ça a marché quand même. Ok. Bon, bah voilà. Alors, monsieur Walish. Non, il a pas despawn. Je meurs. Je vois où est la laine violette au moins. Je vois où est la laine violette au moins. Et ça, c'est le plus important. Ok. Non! Je suis pas tombé. Je suis pas tombé. Ok, la purple wall. Bon. Bah, le pauvre Alish qui a despawn. Ah merde, il a despawn. Coup dur pour lui. Ça me va. Tiens, on va ramener ça à la maison. Mais au beau, j'aurais bien aimé l'affronter, honnêtement, Riche. Ok, allons poser la purple. Directement. Coup dur pour monsieur Lich. Du mal à monter, ah, si c'est bon. Alors. Il y a des conneries, et encore plus de conneries, quick charge, du unbreaking, du sous speed, du smite, beaucoup de potels en enchanting. Non, on va les garder dans. Hop, hop, hop. C'est vrai qu'on a toujours pas de temple d'enchant avec. Bourré en avoir une, hein. Avec toutes les bibliothèques qu'il y a, les temples d'enchant qu'il y a. En train de me dire. On va se prendre une paire de bottes. Une bonne paire de bottes, tiens, ces deux-là. Sympa. Protection de Unbreaking 2 plus un armure. Et on va pouvoir continuer. Alors, torche, oui, on est bien. On va jeter cette arbalète. Bon, maintenant qu'on a notre watch check. Crossbow. Ok. On va reprendre, hop, quelques stacks. Et on va partir sur la laine de couleur bleue. Foncé, bleu foncé. C'est parti. Alors, je pense qu'on va laisser TP à la rose, comme toute. Bon, elle était mignonne, cette petite laine. Et la bleue foncée, par ici. Vrai que c'est la laine rouge. La laine rose qui a un peu le cœur névralgique de tout, ça rend joli. Après, là, t'as vert, marron, noir et la rouge qui était derrière. Areatwell, Tower of Mourning. Ok, déjà ça donne très envie esthétiquement de torcher. Ça donne envie de torcher. Ok. Bonjour monsieur. On vous double shot? Ok. Ça donne envie. Par contre, vous faites mal. Ils font deux cœurs. Ils font deux cœurs. Deux cœurs, c'est beaucoup. Tiens, hop, on a grandi le chemin. Il nous faudra un raccourci. Non, mais c'est là-haut. Donc, pas de raccourci. Elle me servira, cette potion de variété. Il devrait faire un jour une potion où t'as plusieurs trucs et tu peux potentiellement avoir plusieurs trucs. Une potion du random. Pour le fun. Hein.
Ok. Bon, ça dispose. À peu près. T'es qui? Vous mourrez? Non mais vraiment. Ok. Non mais il leur faut combien de coups là? Casse-toi. Je te hais. T'as même avec toutes les protections du monde que j'ai là. Il me reste que Hardmaker. Tiens, on va prendre. Et c'est de la cobblestone, ça m'a. Ok. Ça me va ça aussi. J'entends encore des ghasts. Putain. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Enfin, si, j'aime bien, mais j'aime pas mourir. C'est surtout ça. Moi, ça fait que j'ai de plus en plus de torches, plus j'arrive en Sicile, plus je vois que c'est un peu assombri. Hop. Donc, je recale des torches en boucle. Bon, il y aura toute la zone torchée. Il y a le noir, vert, bleu, marron ici. Hein. Une fois qu'on a passé la bleue, il y a beaucoup d'autres laines derrière qu'il va falloir débloquer parce que juste après la bleue, c'est marron. Puis c'est vert. Puis c'est rouge, on sait où est le rouge. On sait à quoi ressemble le rouge aussi. On avait déjà vu un petit truc extérieur. Hop. Alors. On prend le temps de tout torcher là pour que. Peace. On retire ce genre de spawner. Qui ne donne pas envie d'être pété. L'inverse. On regarde à quoi ressemble. Je vais regarder. On lit le papier. Ancien papier. En Z, moins 266. Ah, c'est des papiers comme ça. Juste, il y a un ancien papier comme ça. Là, dans un coffre random. C'est vrai qu'on a plus trouvé les boutons. Legendary item, Sharpness 3, Sweeping Edge 2, Knockback 1, pas si ouf. Non, et pas si ouf hein, pour un item légendaire. Mais au moins, on sait que c'était pas là le chemin. Ok, on peut descendre. Bien, chute amortie 40 000 là pour votre pisse. Bon, on continue. De torcher la zone. J'aurais dû enable un S-counter au début. Maintenant que j'y pense. Petite pause de 5 minutes, on se retrouve juste après des bisous YouTube. Non, mais c'est bon. J'ai mal au dos.